J'étais à l'initiative de l'opération il y a une dizaine d'années. Et ça m'a permis de mesurer le résultat obtenu et de révéler en fait l'écart qu'il y avait entre ce que l'on faisait et puis aujourd'hui l'organisation. Pour ma part, j'ai participé parce qu'on a acheté nos locaux dans notre structure. On est un jardin d'insertion. Et parce que le sujet est assez intéressant et s'applique très bien en fait sur mes filières, donc par curiosité et puis par intérêt aussi pour le sujet. Une journée très enrichissante à titre personnel, mais aussi je pense pour les apprenants qui m'ont accompagné des formations que je supervise, puisque ça a pu, au travers des témoignages et des différentes interventions, apporter des exemples concrets sur l'application de ce qu'ils peuvent voir en formation, comme par exemple les principes de qualité, de performance, mais surtout aussi de prise en compte des risques et de conditions de travail. Des solutions, des idées niveau ergonomie pour faciliter les conditions de travail des salariés et aussi leur productivité au final. C'est essentiel parce que pour moi c'est inhérent au travail. Ce sont des questions qui permettent à l'entreprise d'être performante, de fidéliser. De permettre à chacun de se sentir bien dans son travail. C'est vraiment des notions qui méritent d'être pris en compte par chacun et où chacun peut agir bien sûr à son niveau en entreprise. On est dans une relation d'équipe principalement, une relation humaine, et cette dimension de pourquoi on est là, pourquoi on travaille, et dans quelles conditions on travaille me paraît être quelque chose de très très important. On a du gros travaux, du gros œuvre à refaire, donc là c'est le moment idéal justement en amont d'avoir un maximum de questions à poser et un maximum de réponses surtout qu'on pourra nous apporter. Ce qui est génial, c'est de voir ici qu'au final il y a des intervenants et ces intervenants-là sont très utiles finalement. On a souvent l'impression d'être seul pour ce type de projet et finalement non, on a les personnes qu'il faut pour nous aider, il faut juste être prêt à se lancer dans le projet.